Faudrait peut-être arrêter, j'ai une dégaine de steak haché là. Salut les amis, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une vidéo en forêt les amis, en sortie moto en forêt, vous allez kiffer. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce qu'en vrai elle est chill, petit coca, petite nourriture, ça dure même pas 10 minutes frérot, je te jure. C'était un plaisir à monter, la douce sonorité du moteur. Qu'est-ce que je raconte là, je suis en train de vriller. Les amis, je vous prenais quelques secondes avant que la vidéo commence pour vous annoncer et vous réannoncer pour ceux qui ne savaient pas que j'ai enfin un code promo chez 50 Factory. Il s'affiche à l'écran, non c'est pas vrai, j'ai la flemme de le mettre. Il est en description, 5% chez 50 Factory, le code est Leonat5. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Je sais que c'était beaucoup demandé, que vous le vouliez tous, du coup il est enfin là, le code Leonad. Hop, comme ça, et vous avez 5% sur votre panier 50 Factory. Voilà, c'était une petite info. Aussi pour vous dire de venir m'ajouter sur Instagram les amis, on est bientôt 30 000 sur mon Instagram et le concours Roof va être lancé très prochainement. Voilà, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, je serais super content, vraiment n'hésitez pas à poser un petit abonnement, ça me ferait super plaisir. Et ça pourrait changer ma vie les amis, du coup voilà, je compte sur vous. À mettre un petit pouce bleu, en ce moment, je sais, vous êtes en vacances, ça se recule, mais mets le pouce bleu mon ref. Allez, ça coûte rien, mets-le parce que vas-y, ça fait trop plaisir et ça joue, tu vois, ça joue comme ça la vidéo après plein de vues et tout. Du coup voilà les amis, 15% chez Maxess aussi si vous voulez vous équiper, si vous voulez équiper la moto, changer les pneus, prendre un casque, prendre un équipement, prendre des gants, vous avez 15%, c'est énorme les amis sur une commande. Du coup voilà, maxess.fr, 15%, code Léo15. Voilà, je vous embête pas plus, bonne vidéo à tous. Et le produit testé dans la vidéo les amis m'a été fourni par 50 Factory, du coup voilà, n'hésitez pas à aller le voir sur site, il est énorme et vous pouvez l'adapter à toute bécane. Et pour ceux qui en mettent sur leur moto, n'hésitez pas à me dire si ça marche bien. Salut les mecs. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la 110. Là je vous ai spoil en fait, je vous ai tout spoil le résultat. Mais vous allez voir que déjà ça a l'air de bien fonctionner. Bon alors qu'est-ce que t'en penses? Vas-y éteins-toi. Ah oui, non mais oui. En vrai ça éclaire fort hein. Donc plutôt satisfait du résultat. Ah ouais, il y a un arbre. C'est à ça que ça sert la lumière. C'est avoir des obstacles comme ça. Mais là on a une vraie bécane pour faire du off-road. Tout équipé de lumière et tout ça. Oh ouais. Et là ça tue hein. Parce que regardez, sans lumière en vrai pour l'instant il fait pas noir. On est venu exprès le soir pour voir comment ça va se comporter dans le noir. Mais déjà la GoPro, je pense que quand j'allume, vous voyez déjà beaucoup beaucoup mieux. Alors moi je suis juste perdu parce qu'en fait on veut pas détruire la forêt, il y a un endroit spécial pour rouler. On va y aller. Parce que moi j'aime pas rouler hors des sentiers battus. On n'est pas... Ouais ça éclaire quand même bien. Hein. Regardez, l'individu devant, il n'est pas éclairé, il est éclairé. Donc en vrai je pense que ça marche plutôt pas mal. Je sais pas du coup au niveau de la tension électrique, tout ce bordel, si c'est optimal et c'est la puissance max qu'elle peut délivrer. Parce que ça, on n'est pas des professionnels électriciens non plus. Nous, on a fait les branchements comme on pensait que c'était le mieux. Mais regardez, en plus, ça rajoute une de ces dégaines. Je trouve, c'est trop beau. Parce que regardez, là, franchement, 100, on voit que dalle. Et là, ça rajoute quand même pas mal de visibilité. J'attends qu'il bouge la montée, là. Mais en vrai, ouais, on voit bien. Normalement, ça chauffe pas trop. On verra. Hein. Il y a pas mal de trucs qui piquent sur le côté, là. C'est relou, ça. Mais moi, la montée... Aucun souci pour des sorties enduro. Je trouve que la petite lampe, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pile ce qu'il faut. Mais regardez, de loin, hop. Encore une fois, à chaque fois, je vais éteindre et allumer pour vous montrer. Mais je trouve que on a fait un plutôt bon boulot. Ah ouais, là, c'est la the montée là. Je l'ai fait ça. Ouais, ça fait le off-road. Et du coup là vous allez voir, on est à un endroit, on est venu exprès ici parce que c'est là où les motos roulent. Et du coup bah ça détruit pas la nature et bah vous allez voir que sans lumière, c'est pas du tout la même. Alors on va aller faire un test, je pense que là c'est un test évident, regardez. Donc là on éclaire toute cette partie et donc quand on enlève, ça éclaire moins. Ça éclaire fort hein, quand même, t'es prêt? Ça éclaire fort non Max? Ah ouais, je m'en souvenais plus qu'il y avait une deuxième bosse directe. Non mais en vrai c'est pas con, regardez ce que la trottinette, comment elle éclaire. Bon déjà avec la GoPro on voit qu'il fait noir. Et bah là regardez, là c'est clair. C'est clair de ouf. Sur la GoPro c'est vraiment la nuit.
Ouais, ouais, si ça éclaire. En vrai, dans le garage, j'ai dit ouais, ça éclaire pas trop, mais là, là dans la nature, ça éclaire. Hein ? Ouais, là, je le vois, là. Mais ouais, il fait noir sur la GoPro, là, c'est la guerre. Du coup, ce qui est bien maintenant, c'est que t'as un interrupteur là et un là. Là, tu mets la lampe et après, là, t'es parti en balade. Hein. Je sais pas ce que ça donnera, du coup, à la GoPro. Parce qu'on a vraiment voulu pousser le test à quand il faisait noir. Donc on est vraiment parti, bah quand il faisait noir, hein, vous a pas menti. Et ce qui est bien, c'est que ça éclaire même le côté. Genre en mode, j'ai pas besoin de viser spécialement pour que ça éclaire. Ah si, c'est un kiff le 110, hein. Guidon rehaussé, LED bar. Nous, ce qu'on peut changer, peut-être les suspensions ou quoi. Mais là, de faire une petite course, un petit grand prix, là, ça peut être drôle. Et du coup, en wheeling, je suppose que ça éclaire le haut des arbres. Ça branle bien toutes les bosses. C'est trop stylé. Et du coup, vous voyez que bah ça éclaire. Ah oui, là, il y a un petit saut à faire. Ça, le saut, faudra le refaire et le retravailler pour essayer de faire un truc stylé. Parce que c'est un beau petit saut, n'empêche. Mais vous pouvez voir que pour progresser dans la nature, là on voit rien. Et là on voit, c'est la magie de la lumière. Non, en vrai, je suis satisfait du produit. Hein. Là, les amis, je crois que c'est le produit dont je suis le plus satisfait. Je suis un gosse, moi. Oh punaise. Eh, ça fait mal, hein, les arbres. Hein. Et regardez, là-bas il fait pas noir et dans la forêt il fait noir. C'est un truc de ouf. Oh, on fait demi-tour ici. Ça passe. J'ai pas le radar de recul. La prochaine fois, on installe une caméra. Faudrait couper un peu les branches, hein. Faudrait entretenir le terrain. Et là, c'est où? C'est là-bas. Ah, c'est là la bosse que j'ai pris. Je vous ai dit, il y a une réception à faire derrière le saut, ça peut être grave stylé. Ah là, je prends du plaisir. Hein. Le terrain, je le connais un peu. Ça va pour bombarde, c'est un peu mieux. Parce que quand c'est la première fois qu'on passe, et surtout la nuit, il faut faire gaffe. Oh, là, il y a une petite branche. Si j'avais pas la LED, je pense que je me serais démoli. Mais regardez comment ça éclaire là-bas. Allez, bip, 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 bip. La prochaine fois, on installe un klaxon poids lourd. Deux trains, je te jure, un klaxon de train, ça peut être incroyable. Bon, j'essaie de me concentrer pour pas avoir la gueule à terre. C'est ça, c'est assez joueur, comme c'est tout petit, à tout moment tu tombes. Mais c'est super maniable. Là, on voit son gros cul. Laisse-moi passer devant! T'es gros, on voit que ton cul à la caméra. Sauf que maintenant, du coup, je suis seul tout. Si je vois une branche au dernier moment, ça va être drôle. Ouais, il y avait une petite grenouille. On a des yeux partout ici. On va où? C'est là-bas. Là, frérot, il y a un jeune chevreuil qui passe. Oh, pétard, attends. Je veux bien bombarde, mais là, faut pas abuser. Voilà, frérot, une biche. Ça va être drôle. Mais dites-moi, les amis, si vous êtes satisfait du résultat. Mais moi, pour l'instant, je le suis grave. Hein. Au top, hein. Ça marche bien. Parce que tout le temps, regardez, je vais vous faire des petites différences. Là, vous voyez un peu ce que à la GoPro ça donne. Bah là, bam. Et c'est bien réglé. Ça éclaire bien devant. Ça éclaire sur le sol. Eh, je suis refait de ouf. Du coup, si vous voulez qu'on essaye, je demande à 50 Factory. Et on essaye d'installer ça sur une dirt. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir de dirt, surtout des RFZ. Donc pourquoi pas essayer d'en installer sur une RFZ. A voir, parce que je crois qu'il n'y a pas de batterie sur la RFZ. Ah frérot, il y a un jeune Bambi. Nous, on blesse personne. On va laisser Bambi tranquillement repartir dans la faune et la flore. Donc n'hésitez pas, vous mettez un jeune pouce bleu. Et si vous voulez qu'on monte ça, bah vous me le faites savoir dans les commentaires et via les pouces bleus. Et on se fait un petit montage et puis voilà quoi. Je pense que ça peut être sympa. Et j'espère que vous avez kiffé cette petite balade nocturne en forêt. Sur ce, c'était Léo. Je vous laisse là. Bonne soirée. La bise. Et à la prochaine. Parce qu'on filme pas de cross bitume. C'est interdit. Mais voilà. Très satisfait du produit. Je vais vous le remontrer une dernière fois en plein milieu de la route. Regardez. C'est monté, c'est magnifique, c'est magique. Pouce bleu, commentaire, like, tout ce que vous voulez. C'était Léo, ciao ciao, et mes acolytes. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to
to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just...